وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons cette série de cours qui parle des règles concernant le jeûne. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler de certaines règles concernant les personnes malades. Comme on le sait tous, il est permis aux malades de rompre le jeûne pendant les jours de Ramadan ou un yaqdi ba'd dhalik et qu'il rattrape après cela, les jours qu'il a rompus. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, car celui qui est malade parmi vous, ou bien en voyage, alors il rattrapera d'autres jours équivalents. Toute maladie qui est considérée comme maladie, c'est-à-dire qu'il sort de la santé, qu'on dit cette personne elle n'est pas en santé, c'est une permission pour rompre le jeûne. Et cela n'est pas valable pour quelque chose de léger, comme le sual, quelqu'un qui toussote, il tousse un peu, ou il a juste un petit peu le nez qui coule, ou bien le mal de tête. Ça, ce n'est pas une maladie. Donc ce n'est pas permis de rompre le jeûne juste parce qu'on a un petit toussotement ou parce qu'on a un mal de tête, comme j'entends beaucoup, malheureusement. Si une personne... La médecine prouve que s'il jeûne, que ce soit par la médecine, c'est-à-dire par des médecins de confiance, ou bien de son habitude, ou bien il pense profondément que s'il jeûne, ou bien il va tomber malade, ou bien s'il est déjà malade, ça va retarder sa guérison, ou ça peut rajouter dans sa maladie. Il est permis de ne pas jeûner. C'est même détestable de jeûner si on sait, surtout pour une personne malade, qui pense qu'en jeûnant, sa maladie va s'aggraver ou bien elle va mettre beaucoup plus de temps à se soigner. Mithal, qu'une personne elle tombe malade un jour, elle a de la fièvre, elle est malade, elle pense que juste en prenant les médicaments matin et soir ou en se reposant, c'est pas suffisant. Allahumma, elle va rompre un jour de Ramadan, elle va bien se soigner. Peut-être le lendemain ou deux jours après, il va pouvoir continuer Ramadan tranquillement. Alors que s'il laisse traîner, il laisse traîner, ça se trouve tout le Ramadan, il va partir. Et à la fin, il va rester encore malade. Non. De même, une personne qui est malade dans la nuit, c'est pas juste des awham, ce qu'on a dit tout à l'heure, ghalabat adh-dhan, c'est-à-dire qu'il pense profondément, ce n'est pas juste des l'imagination. Non. J'en perds mon français. À force, le français, ça devient... Wallahi, ikhwat al-iman, il n'y a pas des alfaz adaqqu min al-arabiyya li fahmi al-fiqh. Il n'y a pas des paroles, il n'y a pas des mots plus justes que l'arabe pour comprendre bien le fiqh. En français, c'est juste une approche. L'imagination, barakallahu fik akhi. Celui qui s'imagine qu'il va tomber malade, l'imagination, ça ne rentre pas en compte. Ça doit être ou bien une certitude, ou bien ghalabat adh-dhan, c'est-à-dire qu'il pense profondément. Il a l'habitude, ou il sait, c'est-à-dire il est presque sûr, même s'il n'est pas sûr, il est presque sûr que s'il jeûne, il va tomber malade ou bien ça va s'aggraver. Lui, il peut rompre le jeûne. Ou alors quelqu'un juste qui s'imagine, ah peut-être je peux tomber malade, peut-être, 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 ah là là. Celui-là, il n'est pas permis pour lui de rompre le jeûne. Et dans al-marid, le malade qui était malade dans la nuit, il ne sait pas est-ce que le matin... Il va être en bonne santé ou non. Il pense qu'il est, pour l'instant, il est malade. Ce n'est pas obligé pour lui de mettre l'intention du siyam dans la nuit. Voilà, si le matin il se réveille en bonne santé, il devra jeûner la journée, c'est-à-dire ne pas manger la journée. Et les savants ont divergé, est-ce qu'il devra rattraper ce jour car il n'a pas mis l'intention dans la nuit ou non? L'ahwat le plus sûr, c'est qu'il rattrape ce jour-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'émet pas l'intention dans la nuit, il n'a pas de jeûne. Accepté. Non. De même, si quelqu'un en jeûnant, c'est une cause qu'il perd connaissance, celui-là, il pourra rompre le jeûne et il devra rattraper des jours ultérieurs.
Par exemple, quelqu'un il est faible de nature, il est très faible. S'il jeûne, il perd connaissance, il peut s'évanouir. Qu'est-ce qu'il fera? Il rompra le jeûne et il rattrapera les jours de jeûne dans les jours d'hiver. Ou bien, il faudra qu'il mange très bien au sahur. Si une personne elle a commencé le jeûne dans la journée et il a perdu connaissance, il ne se réveille qu'avant le coucher du soleil ou bien ba'd al-ghurub. Fahada sawm sahih. Son jeûne, il est valide. S'ils lui ont pas donné une moradie, ils lui ont pas donné de la nourriture ou du glucose pendant qu'il était inconscient. Si pendant qu'il était inconscient, on lui donne du glucose, on lui fait la perfusion, on lui donne du glucose, dans ce cas-là, il devra rattraper un jour. Non. Mais par contre, celui qui, depuis avant le lever du soleil, jusqu'à après le coucher du soleil, il était inconscient, celui-là, son jeûne n'est pas valide. Il devra rattraper ce jour-là, car il n'a pas commencé. L'autre, il avait commencé un jeûne, pendant son jeûne, il a perdu conscience. Tant qu'il n'a pas mangé, ou bu, ou fait quelque chose qui rompt le jeûne, son jeûne est valide. Mais celui-là, il l'a commencé, pour finir. Donc, celui qui, avant le fajr, a perdu connaissance, il se réveille au milieu de journée, celui-là de même, il devra rattraper ce jour-là. Ce jour-là n'est pas valide. Bien sûr, si on voit que c'est dangereux pour sa santé, on ne va pas dire, attendez, ne donnez pas de glucose, sinon son jeûne, il n'est pas sahih. Là, on lui donne, on s'occupe de lui, mais c'est, ça peut être obligatoire, s'il perd, il peut perdre la vie, de le nourrir. Juste là, on parle de sihhat as-sawm. Au cas où il a perdu connaissance et il n'aurait pas mangé et bu, son jeûne est valide, il n'aura pas à rattraper. Mais qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de s'occuper de lui. S'il a besoin de nourriture, on est obligé de le nourrir. Hein? Et il rattrapera ce jour-là. Non. Une autre question, une personne qui perd connaissance plusieurs jours, un jour, deux jours, trois jours, deux ans, neuf ans, dix ans, c'est déjà arrivé des personnes dans le coma pendant dix ans. Qu'est-ce qu'il devra faire tous ces mois de Ramadan qui sont passés? La majorité des savants considèrent que cette personne qui a perdu la conscience, il ressemble à celui qui dort. Donc, celui qui dort et qui rate une journée de jeûne ou qui rate une prière ou qui rate quelque chose, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra le rattraper dès qu'il se réveille. Donc la majorité des savants voient que cette personne-là devra rattraper tous les jours de jeûne qu'il a raté. Mais il y a Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui a fait une fatwa qui différencie entre la période où on perd connaissance si elle est peu ou si elle est longue. Donc il a considéré que 3 jours et moins, c'est une période où ça ressemble au sommeil. Car ça peut arriver au maximum qu'une personne elle dort 3 jours, ça peut arriver maximum. Une personne qui n'a pas dormi des jours et des jours et des jours et qui dort 3 jours. Allahu a'lam. Donc, si une personne elle perd conscience 3 jours et moins, elle devra rattraper ces jours-là. Car elle ressemble à celui qui a dormi. Par contre, si elle perd conscience plus que 3 jours, là, elle est comme la personne qui a perdu sa raison, le majnoun. La personne qui a perdu sa raison, il n'a pas de charge, il n'a pas de responsabilité religieuse. Donc, il n'aura aucun jeûne à rattraper. Donc, moins de 3 jours, il devra rattraper les jours de jeûne, et plus de 3 jours, il n'aura aucun jeûne à rattraper. Non. Une personne qui, la faim et la soif, elle le fatigue à un point où il pense que si il continue de jeûner, il risque ou bien de perdre la vie, ou bien de perdre un de ses membres. Car comme vous le savez, une personne qui se déshydrate, qui n'a plus d'eau dans le corps, par cette cause-là, son cerveau peut se dérégler et perdre tous ses membres, ou une partie de ses membres, ou bien même peut perdre la raison. C'est pour ça que c'est très dangereux qu'ils disent beaucoup de faire attention quand il fait chaud pour les personnes âgées, pour les enfants, de bien les hydrater. Donc si une personne pense du fond de lui-même que s'il jeûne, il risque de perdre un de ses membres, ou bien il risque de perdre la vie. Cette personne-là, elle devra rompre le jeûne, obligatoirement, pas avec l'imagination. C'est pas quelqu'un qui dit, il s'imagine, ah peut-être je peux tomber malade, peut-être je peux perdre la vie, peut-être, ou il a des craintes ou des wasawis. Comme, machallah, aujourd'hui on voit des jeunes en bonne santé, et il se pose la question, peut-être je vais tomber malade. Non.
Comme il n'est pas permis aux gens qui font un travail fatigant de rompre le jeûne. Que ce soit maçon, que ce soit travailler dans les fours, El-Muhim, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Sauf s'il est voyageur. Par exemple, pour ceux qui diraient que faire de son métier le football, c'est permis. S'il est en voyage, comme ils disent, s'il est en déplacement, hein, il pourra rompre le jeûne. Par contre, si c'est chez lui que le match se joue, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Non. Une personne qui travaille dans les fourneaux, ou bien dans un travail très compliqué, très difficile, qu'est-ce qu'il devra faire? Ou bien il travaille la nuit, comme ça il peut manger, il peut... Ou bien il prend ses vacances pendant le mois de Ramadan, ou bien il cherche un autre travail. Car il faut qu'il cherche un travail dans lequel il peut faire ses obligations religieuses. Et les gens vont me dire, ouais, mais on est dans les pays des koufars, on ne peut pas, comment on va faire? C'est ça l'impôt que tu payes parce que tu restes dans le pays de koufar. Déjà, à la base, tu n'as rien à faire ici. Si tu restes ici, en plus, tu veux plus de facilités, des facilités, des facilités. Déjà, la religion, elle te demande de partir d'ici. Si tu n'es pas capable de préserver ta religion ici et de transmettre la religion et de travailler pour l'islam. Donc si en plus de ça, il faut qu'on t'aménage des choses spéciales parce que tu fais quelque chose qui est à la base n'est pas accepté, voilà pourquoi justement l'islam demande de vivre au milieu des musulmans et d'aller vers les musulmans pour que ces choses-là soient bien comprises et faciles à faire. Quelqu'un qui vit dans un pays musulman, qui travaille dans un travail difficile, normalement, les patrons ou les gens doivent aménager des heures pour le ramadan ou bien travailler la nuit ou bien donner les vacances pour le ramadan. Normalement, c'est comme ça. Non. De même qu'il n'est pas permis pour une personne de rompre le jeûne parce qu'il est en examen, un étudiant. J'ai des examens, il faut que je sois concentré. Je passe mon bac, je ne peux pas jeûner. Ça donne la chose. Même si ses parents, ils l'obligent. Si ses parents lui disent non, romps le jeûne. Il est interdit d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les examens, ce n'est pas une cause valable pour rompre le jeûne. Et tout ce que je viens de vous citer, c'est une fatwa de Lajna Da'ima, l'assise permanente de fatwa d'Arabie. La personne qui est malade d'une maladie dont on espère la guérison, qu'elle soit proche ou lointaine, cette personne-là, elle devra attendre de ne plus être malade pour rattraper ses jours de jeûne. Et il n'a pas le droit de nourrir à la place des jours où il n'a pas jeûné. Nourrir des pauvres pour les jours qu'on n'a pas jeûné, c'est pour qui? C'est pour la personne qui a une maladie, al-marad, al-muzmin. La maladie, comme ils disent, incurable. Ou la maladie permanente, dont on n'espère pas la guérison. Par exemple, le diabète. Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu qu'il y a un médicament qui soigne du diabète. Quelqu'un, il n'a plus le diabète. Il régule le diabète, mais à ma connaissance, à moins que je ne connaisse pas, je ne connais pas une intervention qui peut faire en sorte qu'une personne diabétique, elle soit plus diabétique du tout. Donc, cette personne-là, si c'est un danger pour elle de jeûner, que son diabète est fort et qu'il a des piqûres à faire, qu'il doit surveiller son alimentation, qu'elle doit être équilibrée, sinon c'est un danger pour sa personne ou pour sa santé, cette personne-là, elle pourra rompre et elle devra nourrir pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné un pauvre. Et ta'am, une nourriture, pas de l'argent. Comme Allah Ta'ala a dit, « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ » Allah, il a bien dit « ta'am miskin », c'est du ta'am, de la nourriture. Et cette nourriture, c'est quoi? Imma, un repas auquel tu l'appelles, ou que tu lui offres un repas tout cuit, tout prêt, à peu près d'un repas de ce que tu manges habituellement chez toi, c'est-à-dire pas juste du riz ou juste des pâtes, avec de la viande, avec un accompagnement, quelque chose, un repas. Ou bien, si tu ne veux pas faire cuire le repas, tu lui achèteras et tu lui donneras ce qu'il faut pour faire un repas. Par exemple, la quantité de riz, c'est à peu près 1,5 kg, si c'est du riz. 1,5 kg de riz et de pâtes. Mais sous ça, la moitié d'un ça, c'est ça le fidya. Et avec un accompagnement, que ce soit de la viande ou je ne sais quoi, ce avec quoi on peut accompagner un repas.
Cette personne qui fait le fidya, il peut le faire de plusieurs manières. Ou bien, chaque soir de Ramadan, par exemple, il invite un pot. Ou il donne un pot. Ou bien, à la fin de Ramadan, il réunit 30 pauvres et il leur fait un repas. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a fait cela. Parce que comme on sait, Anas ibn Malik, c'est un sahabi qui a vécu très longtemps. Il a vécu très très longtemps, il a dépassé les 100 ans. Et il avait, je crois que ça fait partie des compagnons, si ce n'est le dernier parmi les compagnons du prophète Sarasim qui est mort. Radiallahu anhu. Donc, quand il était très âgé, il n'arrivait plus à jeûner. Donc, il faisait cela. À la fin de Ramadan, il réunissait 30 pauvres et leur faisait un repas. Il venait manger à sa table. Si personne, par exemple, une personne malade, elle avait une maladie dont il allait se débarrasser. Puis, il a su que cette maladie, elle va rester longtemps. Elle est incurable. Alors, et il n'a pas tous ces jours qui sont passés, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra juste nourrir des pauvres. De même, une personne qui a une maladie incurable, qui pense qu'il ne sera jamais guéri, puis un jour ou l'autre, ils ont trouvé une manière de soigner cette maladie. Alhamdulillah, elle a été soignée. Qu'est-ce qu'il devra faire? Est-ce qu'il devra rattraper tous ces jours-là? Non. Car il a fait au moment où il avait cette maladie, il a fait ce makana yajibu alayh. Il a fait ce qui était obligatoire pour lui. Il pensait avoir une maladie incurable, selon ce que les docteurs disent. Puis, en fin de compte, un remède a été trouvé et il a été soigné. Donc, à partir de ce moment-là, il jeûnera. Et s'il tombe malade et on peut le re-soigner, il rattrapera. Non. Une personne qui est tombée malade et qui voulait rattraper ses jours de jeûne de Ramadan, puis elle est décédée. Cette personne, elle est morte. Elle n'a pas rattrapé les jours de Ramadan qui lui restent. Sa descendance, qu'est-ce qu'il doit faire pour lui? Est-ce qu'il jeûne à sa place? Ou est-ce que yut'imoun, est-ce qu'il nourrisse? Le sahih, c'est que yut'imoun, il nourrisse pour chaque jour un pauvre. Sauf si c'est un vœu qu'il avait fait, un nadr. S'il avait fait vœu de jeûner par exemple tant de jours ou tant de jours, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: « Oh messager d'Allah, ma mère avait fait le vœu de jeûner tant de jours et elle est décédée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Jeûne à sa place. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont a fait le vœu de faire des jours de jeûne et il ne les a pas fait, alors ses héritiers jeûneront à sa place. » Et cette chose elle peut être faite de plusieurs manières. Ou bien c'est une personne qui jeûnera tous les jours qu'il faut, ou bien tous les héritiers ils peuvent se passer à partager les jours de jeûne et tous jeûner. Par exemple, s'il y a 30 jours à jeûner, chacun jeûnera un jour, ce sera valable. De même que quand une personne décède, on peut faire le hajj pour cette personne si elle n'a jamais fait le hajj. Ou même si elle l'a déjà faite, nous on a déjà fait le hajj, on veut le faire nafila en plus pour elle, ou la umra. C'est permis. Warada fi nas. Ou bien faire sadaqa pour cette personne. Ou jeûner les jours où elle avait fait le vœu de jeûner et qu'elle n'a pas jeûné. Et nourrir pour les jours qu'elle avait à rattraper s'il ne les a pas rattrapés. Mais on ne peut pas rattraper la salat pour lui. On ne peut pas lire du Coran pour lui. On fait du'a pour lui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, chaque personne elle est responsable de ses actes. Donc tu ne peux pas, les textes du Coran et de la Sunna sont clairs pour dire que إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ. Donc tous les textes sont clairs pour dire que les actes de la personne ils s'arrêtent. إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ, sauf ce que les textes sont venus spécifier. Donc, il n'est pas permis de faire autre chose que ce qui a été spécifié par les textes du Coran ou de la Sunna. Par contre, tu peux faire dua pour lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inqata amalu illa min thalath wa minhu waladun salihun yad'u lah ». Si tu fais dua pour lui, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour un mort. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidani ilma.